élites, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce nouveau tutoriel, il consiste à programmer la RAID de son PC. Donc certaines personnes se diront que c'est plutôt compliqué. Je vais vous prouver que non, je vais vous prouver dans ce tuto que c'est très facile de programmer la RAID de son PC à la seconde près. Donc c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, pour commencer le tuto, vous lancez votre menu exécuter. Donc pour lancer le menu exécuter, vous pouvez passer par le menu démarrer et cliquer sur le bouton exécuter si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas ce bouton exécuter dans le menu démarrer, j'ai fait un tuto dernièrement pour vous montrer comment le faire. Ou alors pour afficher le menu exécuter, vous cliquez sur la touche Windows plus R et ça vous affiche tout ça. Donc pour programmer la RAID de son PC, qu'est-ce qu'il faut taper? C'est très 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 simple. Vous tapez shutdown espace F -F espace -S espace -T espace. Et après avoir écrit -T, vous faites un espace et vous mettez le nombre de secondes. Par exemple, si vous voulez que votre ordi s'éteigne dans 30 secondes, vous mettez 30. C'est simple. Si vous voulez que votre ordi s'éteigne dans 1 minute, donc 1 minute est égale à 60 secondes, vous mettez 60 secondes, c'est très simple. Donc moi je vais mettre pour qu'il s'éteigne par exemple dans 2 minutes, c'est-à-dire 120 secondes. J'ai bien fait l'espace, on met 120 secondes et vous validez. Donc vous allez voir que moi, voilà, ça me met ça. Windows va s'arrêter dans 2 minutes, l'arrêt aura lieu le dimanche 9 février 2014 à 19h29 et 44 secondes. Donc comment faire ? Si on annule l'arrêt de son PC, eh bien écoutez, c'est très simple, vous faites Windows R, une nouvelle fois, vous relancez le menu exécuter, vous tapez shutdown, désolé, vous tapez shutdown espace -A. Et là, vous allez voir que ça va m'annuler l'arrêt de mon PC que j'ai programmé juste avant. Voilà. Et voilà, fermeture de session annulée, comme vous voyez en haut à droite de l'écran, l'arrêt planifié a été annulé. Donc vous voyez que ça marche vraiment bien. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment programmer l'arrêt de votre PC et comment annuler cette programmation de l'arrêt de votre PC. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire, ajouter la vidéo dans vos favoris et faire le petit partage sur Facebook et Twitter qui va avec. Ça me fera très plaisir. En tout cas, vous êtes plus de 1000 actuellement à me suivre sur Facebook, à vous être abonné à ma chaîne. Ça fait vraiment énormément plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter où je suis très actif et vous également. Ça fait également encore plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour un prochain tuto. Mon Avermedia arrive bientôt. À la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.